Expo Event ouais. En novembre à Paris. Et je crois que c'est Mickaël Vaillant qui a repris, lors de son exposé, des travaux de Jacques Vallée sur les courbes relatives aux théories de l'apprentissage, c'est-à-dire les intervalles fréquentiels entre lesquels il est conseillé de relire, par exemple, un poème, une leçon ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que vous prenez, je prends un texte, je prends le quatrième de couverture, je le lis aujourd'hui, après je le relis dans deux jours, après je le relis dans 5 jours, après 10 jours, après 1 mois, après 3 mois, et au bout de tant d'étapes espacées, alors il faudrait vérifier si on n'a pas le nombre d'heures là-dedans, mais je pense pas, mais en tout cas, au bout de tant d'intervalles qui s'espacent de plus en plus, je crois qu'à la 7e ou 8e étape, on en arrive à un stade où l'information est définitivement acquise par l'esprit de la personne qui appliquait cette méthode. Et ils ont comparé, et je pense que c'est Jacques Vallée qui a l'initiative de cette réflexion, il a été comparé les grands pics, les grandes vagues d'OVNI, oui, et la fréquence, les intervalles entre ces grandes vagues d'OVNI correspondent vraiment de manière très significative aux intervalles de cette théorie de l'apprentissage.